Coucou les gourmands, alors aujourd'hui nous allons concocter une recette végétarienne. Une recette super simple, super bonne de pâtes aux légumes. Alors pour les légumes, on va jouer sur l'aubergine et sur la courgette. On va commencer par faire chauffer un petit peu d'huile d'olive. Dans mon huile d'olive, je vais faire dorer 2 oignons rouges. Je fais dorer mes oignons rouges dans un petit peu d'huile d'olive. À mes oignons rouges, je vais rajouter 2 gousses d'ail. Et j'ajoute mes courgettes coupées en tout petits cubes. Alors pour l'aubergine, je fais exactement comme pour la courgette, je coupe en petits morceaux. Alors l'aubergine est vraiment très très gourmande en huile. Je vais sans doute devoir rajouter un petit peu d'huile au fur et à mesure, mais ce que je fais aussi, je rajoute un petit peu d'eau. Alors je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. Et je continue avec les légumes. Je rajoute encore un petit peu d'huile d'olive, je poivre, je sale, je mets un petit peu de thym, une ou deux feuilles de laurier, hop, et je vais couvrir et laisser mijoter pendant environ 15-20 minutes et mélanger régulièrement. Après environ un quart d'heure, 20 minutes, nos légumes sont cuits. Le fait d'avoir mis le couvercle permet à la vapeur de rester dans la casserole, ce qui permet quand on fait des aubergines de ne pas mettre trop d'huile parce qu'elles sont vraiment très 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 gourmandes. Et vous voyez que ça marche super bien, les aubergines sont cuites, les courgettes aussi. Et ce délicieux mélange de légumes ne demande qu'à chapeauter quelques pâtes. Voilà une recette toute simple, végétarienne, délicieuse, que je vous conseille vivement. À bientôt pour d'autres gourmandes aventures!